Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Alors que le film Top Gun Maverick sera projeté demain au Palais des Festivals de Cannes, David, vous revenez sur les origines de Top Gun. Top Gun, c'est un film que j'avais pas vu depuis mon enfance, et comme je devais faire cette chronique cet après-midi sur les origines de Top Gun, eh bien je l'ai revu, et je l'ai revu avec beaucoup d'attente. Je me suis mis dans mon lit avec un bol de céréales américaines, j'ai payé le film 11 euros quand même, et je l'ai lancé. Alors d'abord, Top Gun, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un jeune pilote de chasse, joué donc par Tom Cruise. Tom Cruise qui a trois caractéristiques majeures. Un, il est ultra beau. Il est même aussi beau que Tom Cruise, vu qu'en fait c'est lui. Deux, il est extrêmement compétent pour conduire des avions de chasse. Et trois, il n'aime pas beaucoup respecter les règles, parce que les règles pour lui, c'est un petit peu un truc de bouffon. Tom Cruise, si vous voulez, c'est typiquement dans le film ce qu'on appelle un électron libre. Et d'ailleurs, dans le film, il s'appelle Maverick, ce qui en anglais veut dire texto, électron libre. Et donc, l'institution militaire américaine dans le film se retrouve un peu avec un dilemme. Que faire avec cet élément à la fois précieux de par son talent et dangereux de par son indépendance d'esprit? Je reviens là-dessus parce que je pense que tout le monde n'a pas vu Top Gun. Ça, c'est la tension principale du scénario. Il y a deux autres tensions qui se superposent. Une tension sexuelle avec la scène du La première, c'est que Tom Cruise, il a envie de faire l'amour avec une fille qui se trouve être par ailleurs l'une de ses profs à l'école d'avion de chasse. Et l'autre, c'est que Tom Cruise a une blessure secrète qu'il n'a jamais cicatrisée. En effet, son père, qui était également pilote de chasse, un pilote de chasse très doué, est mort dans des conditions mystérieuses lors d'un combat aérien. Et l'histoire officielle a retenu qu'il était mort parce qu'il avait fait une erreur. Et donc, l'une des motivations premières de Tom Cruise pour être super fort en avion, c'est de compenser la réputation ternie de son père. Voilà. Bon, j'avoue que raconté comme ça, ça a pas l'air si mal, Top Gun. Mais en réalité, si comment vous dire, c'est pas très bien. N'oubliez pas, David, que c'est un film européen, Top Gun Maverick. Tout à fait. Et que donc fait. Ça, c'est un film excellent. En revanche, le 2. Il a des qualités. Mais je veux dire, Top Gun 1, on dirait un peu, si vous voulez, du début à la fin, une sorte de film érotique, mais qui aurait eu suffisamment de budget pour faire exploser des avions. Vous voyez, c'est plein de gens qui transpirent inutilement, de gags téléphonés, de musique d'ascenseur et de métaphores qui mettent en parallèle le monde militaire et la séduction de façon un petit peu lourde. Tom Cruise, il dit à la fille avec qui il veut faire l'amour des trucs du genre « Vous savez, j'ai appris à pas rater mes cibles. » Non mais vraiment, c'est comme ça. Donc voilà. Mais au fond, je dois dire que j'ai quand même un petit peu bien aimé, et pas seulement parce que j'étais bien dans mon lit avec des céréales, j'ai bien aimé à cause des avions. Franchement, il n'y a rien de plus beau que des avions de chasse, surtout quand ils avancent lentement sur le porte-avions comme de grands pénis majestueux à contre-jour. C'est très très beau à voir. Et tout ça donne bien sûr envie de savoir d'où vient Stéphane a déjà demandé film. Le replay pour savoir s'il avait bien entendu ce que vous aviez dit. C'est exactement ça. D'où vient ce film? Eh bien, les fans de Top Gun, ils le savent sans doute déjà. Mais pour les autres, je le dis, Top Gun, c'est le vrai nom de la vraie école d'élite de pilotes de chasse aux États-Unis. Encore aujourd'hui. Dans les années 60, les États-Unis, ils étaient en pleine guerre du Vietnam. Et vous le savez peut-être, la guerre du Vietnam, c'est une guerre où les Américains, ils ont commencé à être particulièrement obsédé par les statistiques, ce qui est plutôt une bonne idée, je trouve, quand on veut avoir accès à la réalité. Et ils ont remarqué que dans leur combat aérien contre les jets ennemis, ils perdaient un avion pour deux avions ennemis abattus. Ce qui peut paraître pas si mal, enfin c'est quand même deux fois mieux, mais eux, ils trouvaient ça complètement nul. Alors ils se sont dit, il faut que nos pilotes ils deviennent plus forts. Et en mars 1969, dans cette perspective-là, ils ont créé la United States Navy Fighter Weapons School, plus connue sous le nom de Top Gun. L'objectif, c'était de prendre les 1% des meilleurs pilotes de chasse de la marine américaine et de les rendre encore vachement meilleurs qu'ils étaient déjà. Et ça a marché, puisque en partie grâce à ça, à la fin de la guerre du Vietnam, le ratio d'avions ennemis abattus par avion américain était passé à 1 pour 12, ce qui est beaucoup mieux que 1 pour 2. Ça n'a pas suffi à gagner la guerre du Vietnam, mais du point de vue de l'efficacité des avions, en tout cas, c'était une réussite. Cette école, elle a continué à exister, et en 1983, il y a un journaliste américain qui s'appelle Ehud Yonay, qui a publié un article sur l'école dans un magazine californien avec plein de photos spectaculaires. Cet article est tombé entre les mains de producteurs hollywoodiens qui ont dit « Mais on va trop en faire un film !» Et ils n'ont pas été bêtes, ces producteurs, dans le sens où ils se sont dit « Attends, si on veut que le film y tape, il faut que l'armée américaine, elle nous laisse filmer les vrais avions et les vrais porte-avions. » Et l'armée a dit
ok, mais on a le droit de regard sur le scénario. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui explique aussi que Top Gun se soit considéré, depuis ce moment-là, en plus d'un film culte, comme la plus belle pub de l'histoire du monde pour l'armée américaine, au point que dans les années qui ont suivi la sortie, il y a eu une grosse augmentation des recrutements dans l'aviation de marine aux États-Unis grâce au film. Pour finir, j'ai vu la bande-annonce du deuxième volet, hein, Top Gun de Maverick, et j'avoue que du point de vue du filmage des avions de chasse, ça a l'air d'être encore beaucoup mieux que le film de 1986. Et en fait, ça suffit à ce que Top Gun se soit bien, et ça suffira à ce que Top Gun 2 soit bien aussi. Aucune référence aux allusions crypto-gay de Top Gun, qui reviennent quand même souvent. C'est très bien. Il y a eu des analyses, il y a eu celle de Quentin Tarantino. Bien sûr, évidemment, on n'est même pas au courant. Mais comment ça, vous n'êtes pas au courant? Il y a beaucoup d'hommes ensemble, tout nus, très beaux, avec très plein souvent, de muscles partout. Qui jouent au beach volley, qui sont dans les vestiaires, qui sont ceci, cela, beaucoup de regards, beaucoup de transpiration inutile, comme disait assez joliment David. Ça plaisait peut-être à Tom Cruise. Oui, non, mais il y a. C'est peut-être tout le débat. Il y a quand même une phrase à la toute fin du film, la phrase que dit le rival, l'ancien rival de Maverick, qui lui dit genre, now you can ride my tail. Ce qui veut dire, en gros, tu peux chevaucher ma queue, la queue de l'avion. Voilà, tu peux voler derrière moi, c'est ça que ça veut dire strictement, mais ça peut, si vous voulez dire ride my tail, se chevaucher ma queue, quoi. Voilà. Oui. C'est ça aussi, Top Gun, vous l'avez appris dans Historiquement Vôtre. Là, vous avez donné envie de regarder à plein de gens. Et Tom Cruise, and you can ride mine. Il lui répond ça. Et toi, tu peux aussi chevaucher ma queue à moi. Tout est dit. Top Gun, Maverick sera aussi à l'honneur. Film Europe 1, Stéphane, on n'oublie pas. Top Gun Maverick sera à l'honneur mardi prochain, la veille de la sortie du film en salle, toute la journée sur Europe 1. Stéphane s'entraîne déjà. Wata. J'ai l'impression qu'il confond. Wata. Il ne sait pas quel film. Non, c'est pas celui-là, Stéphane. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.